Et bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo collection après la vidéo collection que j'ai faite sur Linkin Park qui ont 4 parties si je dis pas de bêtises. Et ben voilà, je fais une nouvelle vidéo sur un autre groupe que j'avais vraiment envie de vous parler puisqu'il est très 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 méconnu. Ce groupe là c'est un groupe français qui s'appelle Empire, un groupe de rock, c'est plus précisément un super groupe. Alors qu'est-ce qu'un super groupe? Un super groupe c'est tout simplement un groupe qui est constitué de membres d'autres groupes de rock qui existent déjà au préalable. Et donc ici on retrouve des membres du groupe Kyo, donc vous savez hein, Kyo, le membre, enfin les groupes, le groupe pop-rock français qui a été un phénomène de mode hein, au début des années 2000, vous le connaissez tous je pense. Donc on a du Kyo, on a des membres aussi de Plémo, le groupe de néo-metal français du début des années 2000. On a aussi un membre, je sais plus, du groupe Watcha, c'est un groupe de néo-metal français de la fin des années 90, début 2000. C'est vraiment eux qui ont vraiment lancé cette vague néo-metal en France avec les Plémo et compagnie. Et puis aussi des membres du groupe Vegastar, donc le groupe français un peu électro-rock avec, vous savez, hein, le single au 100e étage. Vous connaissez forcément ça si vous êtes vieux comme moi. Voilà, bref, donc du coup, vous pouvez vous dire là, forcément, putain d'accord, ok, Vegastar, Plémo, Kyo, oh putain, de quoi tu me parles ça, c'est d'accord, ok, c'est poubelle quoi. Eh ben non, messieurs, voilà, si vous vous fiez à ces groupes-là, ça ne ressemble pas du tout à du Kyo, ça ne ressemble pas du tout à du Plémo. C'est beaucoup plus posé, plus mature, plus adulte comme son. Surtout le premier album, donc voilà, je vais vous en parler. Donc voilà, c'est un groupe qui a été créé en 2007, hein, si je dis pas de bêtises, qui n'existe plus, puisqu'ils se sont séparés en 2012, si je dis pas de bêtises. Bon, alors est-ce qu'ils se sont dissous ou pas? Apparemment, c'est une pause indéterminée, d'après certains membres du groupe en 2019, c'est ce qu'ils ont dit. Il y a très peu de chances quand même de les revoir parce qu'il n'y a pas eu un énorme succès. Hein. Je suis même presque sûr que vous ne connaissez pas ce groupe-là. Sauf si vous avez tapé Empire sur YouTube, forcément, si vous connaissez ce groupe-là. Mais voilà, bref, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pas étonnant, c'est normal. Voilà. Donc du coup, on va commencer avec le premier album du groupe sorti en 2008 ou 2009, je crois que c'est 2008, avec The Peaceful Riot. Donc je vous l'ai dit, hein, forcément, c'est un groupe français, mais il chante donc en anglais. Pour essayer de se faire connaître un peu plus en Europe et pourquoi pas dans le monde entier. Donc là on est vraiment dans un son rock alternatif, metal alternatif, même clairement sur certaines pistes, avec des grosses influences de Deftones, de Linkin Park, mais aussi un peu de Radiohead, bref, que des gros groupes de rock anglais ou américain. Ça sonne vraiment, moi je trouve, très américain comme son. D'ailleurs c'est produit à Los Angeles avec Ken Andrews, donc un producteur américain assez connu là-bas quand même, qui a fait des gros disques comme des disques de Blink 182, je sais plus trop ce qu'il a fait, mais voilà, Ken Andrews. Donc du coup voilà, bref, il voulait vraiment faire un son américain, je pense que c'était l'objectif, et l'album pour moi est une tuerie. Voilà, j'ai rarement entendu un album aussi bon dans ma vie. Bien, c'est une question de goût, mais bon, bref, voilà, si je peux vous faire connaître ça, c'est plutôt bien. Alors voilà, l'album s'ouvre comme ça, un mot de remerciement ici avec des crédits. Je sais pas si un petit livret, je vais vous le faire voir. Je vais essayer de l'enlever parce qu'il est un peu chiant ce boîtier à la con. Voilà, le petit livret ici, hop, voilà, avec des titres vraiment forts, avec God is my lover, très 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 bon son. Donc on a bien entendu c'est Ben Power, donc le chanteur de Kyo, hein, qui chante. Alors si vous n'êtes pas fan de sa voix un peu, on va dire un peu mièvre, bon, il l'a encore un petit peu ici, mais il a un chant un peu plus puissant sur pas mal de chansons, et il y a même quelques petits screams de sa part, donc c'est assez assez déroutant quand on connaît son travail qu'il a fait sur Kyo. Donc voilà, bref, voilà les membres du groupe ici. Voilà, Empire. Et c'est vraiment un album qui m'a vraiment marqué, que j'ai trouvé excellent, mais vraiment excellent. Et pas si formaté que ça, je trouve. Donc voilà pour le premier album, The Peaceful Riot, pardon.
très bon album, voilà, que je vous conseille fortement. En tout cas, si vous connaissez pas, allez-y sur YouTube, tapez Empire The Peaceful Riot full album, et écoutez-vous ça, c'est que du plaisir. Après, il y a eu, non pas le deuxième album du groupe, mais un EP, donc entre ces deux seuls albums studio, un EP qui s'appelle Skin, voilà, ici, un EP, Extended Play, voilà. Et on a quelques pistes ici, voilà, alors c'est des pistes, soit des pistes exclusives comme Your Skin, My Skin, Way Out, qui était donc dans la version japonaise de l'album précédent qu'on a vu, The Peaceful Riot, en 13e piste, hein, je crois, en dernière piste, qui se retrouve dans cet EP, et puis on a aussi des lives de chansons qui sont jamais sorties, donc Say It et To The Blood, il n'y a jamais eu de version studio de ces chansons-là, et on les retrouve nulle part ailleurs que sur cet EP-là, en version live, c'est dommage. Qui n'a pas eu de version studio en tout cas, et puis Birth, donc qui est une piste de l'album précédent The Peaceful Riot, mais en version acoustique ici. Donc voilà, on est un peu dans la même lignée, hein, avec des chansons un peu plus soft forcément avec la Birth qui est une version acoustique, mais des chansons quand même qui sont assez puissantes, qui sonnent vraiment metal alternatif, hein, clairement j'ose dire le mot, et donc c'est très très bon, pareil, voilà, donc ça pareil, hein, c'est un des derniers CD que j'ai acheté du groupe sur Discogs. Voilà, The Peaceful Riot, c'est Skin ou Under My Skin, je crois. Your Skin, My Skin, voilà. Il y en a qui disent Your Skin, My Skin pour cette EP, alors que c'est marqué Skin. Bon, bref, je sais pas, bon, en tout cas, moi je dis Skin, voilà, bref, c'est parti. Voilà pour l'EP, et puis bah, le deuxième album studio du groupe, deuxième et dernier album qui sort en 2011, qui s'appelle Unicorn, voilà. Et donc là, ça tranche clairement avec le premier album The Peaceful Riot, d'ailleurs, déjà on le voit avec l'image très colorée, hein, qui tranche un peu avec le côté sombre de The Peaceful Riot. Là on est sur quelque chose de plus léger, avec un rock alternatif, ça délaisse quand même le côté un peu metal alternatif, clairement même. On est sur un truc un peu plus rock alternatif, pop rock, électro pop rock, quelque chose de plus moderne, peut-être de plus british du coup, je trouve, par rapport au son américain de The Peaceful Riot. Donc voilà, petite nouvelle direction pour cet album-là, mais c'est toujours aussi bon, je trouve, même si j'ai une petite préférence quand même pour The Peaceful Riot, mais c'est un CD que j'ai beaucoup aimé également, avec d'excellentes chansons. Je me rappelle cet album-là, à l'époque, il avait été quand même pas mal repoussé. Donc voilà, le petit livret ici, très 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 coloré. Voilà, il y a vraiment des titres des fois très électro-pop-rock, hein, mais vraiment très 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 pop. D'autres un peu plus rock avec une petite touche électronique, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment pas mal du tout. Et donc voilà, c'est un album qui s'est après bah, dissous, un an plus tard, entre guillemets dissous, vous l'aurez compris. Bah, tout simplement parce que c'est un groupe qui n'a pas suffisamment marché, je pense. Même s'ils ont tourné pas mal en France et même dans d'autres pays, dans les pays étrangers, ils ont quand même pas mal tourné aussi, donc en Europe. Mais voilà, le succès, je pense, n'était pas assez grand, et donc du coup, après, vous connaissez la suite. Certains des membres se sont retournés dans leurs anciens groupes, d'autres ont fait d'autres trucs que la musique, et pour le chanteur et le guitariste de Kyo qu'on retrouve, ils sont retournés faire des albums avec Kyo, ça vous le savez, avec le comeback de Kyo en 2014, et donc voilà, bref... Est-ce qu'on verra encore d'autres CD de ce groupe? J'espère. Et j'ai un sérieux doute. En tout cas, voilà, bref, c'était une petite vidéo de collection. Il n'y a que ces trois albums qui sont sortis, donc j'ai pas les singles, j'ai pas acheté les singles. Il y en a quelques-uns, mais pas beaucoup non plus. Donc voilà, bref, j'espère qu'en tout cas vous avoir fait découvrir quelque chose. Et puis si c'est pas le cas, tant pis. Voilà, donc vous pouvez liker, partager, vous abonner. Il y aura d'autres vidéos collections que je préparerai dès que j'aurai assez de CD, hein, sur d'autres groupes, peut-être du Blink 182, je sais pas trop. Bref, en tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et salutations.